toucher des choux. La première chose à faire est déjà de s'assurer que la plaque à pâtisserie soit bien propre. Choisir une poche avec une douille unie de 10-12 de diamètre. On se met à la verticale au-dessus de la plaque et on appuie délicatement jusqu'à ce que le diamètre soit atteint et après on relève délicatement la poche vers le haut pour obtenir du volume, comme ceci. On s'écarte suffisamment entre deux choux afin d'éviter que les choux ne se collent entre eux. L'objectif est d'avoir une demi-sphère bien régulière, relativement haute et de 4 cm de diamètre. Disposer de la dorure sur les choux afin de permettre une belle coloration et de rectifier en même temps l'épi sur le dessus et finir avec une fourchette légèrement trempée dans la dorure pour éviter que ça ne colle sur le dessus en faisant une petite croix comme ceci. Vérifiez la température du four. Il est bien à 200 degrés. On enfourne. Nous allons vérifier la cuisson des choux. Ils sont bien dorés. On va s'assurer qu'ils soient suffisamment secs. Débarrasser immédiatement sur grille. Laisser refroidir et garnir.